Le comité de gestion des 5% des revenus pétroliers affectés à la province du Chari-Bagrimi répartit les tâches pour amorcer le développement de la dite province. Après l'installation des superviseurs, ce 24 juillet 2023 à Mandélia, le chef-lieu du département du Chari abrite la cérémonie d'installation des agents de développement. Composé de 8 membres, en raison de 2 représentants dans chaque commune, ils ont pour mission la création des projets porteurs à l'effet de contribuer au développement de leurs différentes localités. Le vice-président du comité de gestion des 5% des revenus pétroliers appelle l'ensemble de l'équipe à l'unité et l'entente pour arriver aux résultats escomptés. Il est à souligner que sans la paix, la cohésion sociale, et le paisible vivre ensemble des filles et des fils du Chari-Bagrimi, nous ne pourrons rattraper le développement tous azimuts amorcé par les autres provinces. Il est plus que jamais le temps de s'unir. J'en appelle donc à la paix, à l'amour et à la cohésion entre tous les ressortissants du Chari-Bagrimi. Par cette répartition des tâches, le comité de gestion des 5% des revenus pétroliers affectés à la province du Chari-Bagrimi contribue à la réduction du taux élevé du chômage en milieu jeune. Car d'après le vice-président du dit comité, ces jeunes sélectionnés à travers un critère bien défini vont mener des campagnes de sensibilisation à l'endroit de la population pour s'enquérir de ses réels besoins.